J'en ai marre de parler de ça. J'en ai marre que mon travail soit envahi par ça. Parce que ça, c'est moi à la très mauvaise époque. Là, j'ai 13 ans, donc là, c'est le moment où ça commence. Et je sais la pensée qui va avec. Depuis l'inceste, depuis 1999, c'est-à-dire plus de 20 ans, Christine Angot, parmi tous les écrivains contemporains, est celle qui a subi le plus grand mépris de la critique littéraire. Absolument, mais le plus grand mépris. J'ai quand même entendu mon ministère me dire, quand mon père est mort, il m'a quand même dit, de toute façon, il a toujours dit que tu fabulais. Je ne trouvais pas les mots qui correspondaient. La phrase ne se formait pas. Elle se fracassait sur ma vie. J'ai été celle qui a été, pendant des années, tout pour elle, et elle a été tout pour moi. Moi, je suis à ta place, quand j'entends. On s'est trompé, toi et moi, sur notre histoire, on s'est trompé sur ce qui nous unissait. Depuis le début, voilà. Elle m'a protégée. Inversion des rôles. Y'a le nom. Y'a le nom ? Tu dis que c'est moi ? Tu dis que c'est moi ou tu sonnes ? Oui, bonjour, c'est Christine.